Salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, ça fait bon 3 mois minimum. Comme vous pouvez voir derrière, ça a un petit peu changé, la Porsche n'est plus là, elle est chez un copain pendant l'hiver. On a attaqué cet été à démonter la Mini pour régler des problèmes de rouille. La rouille était un peu plus importante que prévu, donc du coup elle est complètement à poil et on va tout refaire. Donc encore un truc qui est devenu un vrai projet. Du coup, de l'autre côté, la Barracuda a pas mal avancé. Donc, j'ai fini tout ce qui était soudure d'arceau au niveau des goussets, au niveau des renforts à l'arrière. J'ai soudé de chaque côté les extensions de coffre, ainsi que les nouveaux passages de roues. Que de toute façon j'élargis encore parce qu'au global j'ai élargi de 80 mm donc de chaque côté de la voiture. Donc, il me reste à combler ici. Là ça viendra comme ça pour venir couvrir l'aile extérieure. Donc tout ça à finir. J'ai remonté l'intérieur, mis un siège de 944 en place juste pour checker 2-3 trucs. Mais le tableau de bord est à nouveau en place, avec tout le nouveau faisceau derrière, tous les switches qu'il faudrait que je nomme, parce que je me rappelle même plus lesquels font quoi. La boîte de vitesse est à nouveau en place, il me reste une bricole à faire en dessous, parce qu'il y a un endroit où la tringlerie touche la traverse. Le switch on-off de batterie est en place aussi. La poignée pour l'extincteur avec la commande qui passe ici. Vient là derrière, puis passe là et vient là. Donc pour l'extincteur principal. Au niveau de l'arceau, j'ai rajouté les deux diagonales ici. Donc puis fini de souder un peu tout le reste. Il me restait des petites soudures à finir là, etc. Donc tant que j'étais à souder là-dessous, en fait, je m'en suis occupé de souder tout le reste. J'ai repassé les tuyaux d'extincteur, passé ça un peu mieux. Voilà. Donc passer ça un peu plus proprement le long de l'arceau. Fini de mettre le faisceau en place avec notamment ici le fil. Il faut que je change le bouchon ici qui se barre de temps en temps. Mais le fil qui va à la pompe à essence en dessous, le jaune là-bas il va aller au diff pour la température de diff. J'ai remis les panneaux de porte, le panneau de porte côté conducteur de toute façon je vais le refaire. Enfin, de toute façon les 4 panneaux de porte je vais les refaire parce que c'était la première fois où on faisait du bead rolling avec sur l'alu, donc bon il y a 2-3 trucs qui sont pas super propres, donc je les referai. J'ai déplacé les j'avais là-bas dans le trou, en fait, les réservoirs d'embrayage et de frein. Je les ai déplacés ici, parce qu'en fait, là-bas, bon, ils étaient un peu exposés à l'extérieur, et surtout, en fait, ils allaient m'empêcher de remettre les vitres. Parce que du coup, j'ai aussi remonté donc les vitres d'origine, ici, avec les vent windows là. Et du coup, j'ai les rails à l'intérieur qui me permettront de mettre des vitres plexi qui du coup seront guidées dans les rails d'origine. J'ai fini ça, il me reste un support comme ça à faire de l'autre côté pour les jauges, parce que comme vous voyez pour l'instant c'est pas fixé. J'ai supprimé les bus d'aération qui étaient là, parce que de toute façon ça passait pas avec les réservoirs. Du coup, j'ai mes commandes de chauffage ici, et puis derrière moi, c'est un petit peu plus propre. J'en ai profité. Là, j'ai de l'alu pour les nouveaux planchers que je vais attaquer aujourd'hui. Dans la baie moteur, donc tout le faisceau en place, tout est propre. J'ai fait les supports pour le boîtier d'allumage. Et là, en ce moment, je bosse sur le boîtier de direction et la colonne de direction. Si en fait, j'avais un adaptateur et un coupleur ici, et en fait le coupleur venait toucher le collecteur. Donc j'ai modifié ça, je vais vous montrer dans une seconde.
passer le faisceau avec une platine soudée en place et puis les deux passe-pare-feu plus celui-là ici. Il me manque 4 vis à mettre, il faut que je commande. Il reste le trou là à boucher, toute la longueur là à souder. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi soudé là, fait des patchs, soudé, il y avait plusieurs trous pour les clips de pare-brise d'origine dans le nouveau panneau. Donc j'ai tout viré, tout soudé. Je vais faire pareil là, sur les côtés, il reste quelques trous comme ça là, qu'il faut que je comble, puis toutes les soudures en haut. Donc dans les jours qui viennent, je vais faire ça. Côté conducteur, il me reste une platine à faire pour la commande de répartiteur de freinage. Sur le pédalier, j'ai 2 mètres cylindres, un avant, un arrière. Et du coup, en fait, j'ai un câble qui passe derrière qui permet de régler en fait la puissance de freinage entre frein avant et frein arrière. Donc là, il faut juste que j'accroche ça ici, comme ça. Je ferai une petite platine sur l'arceau et puis voilà. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? J'ai remis les portes en place, réaligné et tout. Il va y avoir du taf à faire au niveau des gaps, bien entendu. Quand les panneaux neufs, ça n'est jamais vraiment nickel. Tout l'aile ici, il faut que je recoupe là parce que là ça touche. Mais grosso modo, c'était pour voir à peu près la position de la nouvelle aile par rapport à la roue. Et combien il va falloir que je découpe et que je refasse un nouveau volume ici. Mais bon, là, du coup, tout est en place. Et puis après, pareil à l'arrière, là, j'ai coupé parce que comme elle est tapée, on voit qu'ici, ça avait été soudé un peu n'importe comment. Et du coup, le gap du coffre était constant, là. Puis après, en fait, il partait en s'écartant, ici, à venir quasiment jusque là, à presque 1 cm de gap. Donc en fait tout le feu était de travers, donc j'ai tout recoupé. Donc, j'ai la partie arrière qui vient ici, qu'il faudra que je soude. J'ai déjà tout marqué, centré, aligné et tout. J'ai coffre de seconde. Là j'avais refait des trous avec des dimple dies. Il me reste une plaque ici où c'était tordu, donc il va falloir que je soude une plaque là. Et puis du coup j'ai soudé toute la longueur ici pour que du coup après en fait je vais avoir une pièce qui va venir en L un peu comme ça là. Et du coup la jupe arrière va venir se plaquer contre. Et donc on voit le feu où du coup j'ai marqué tous les points d'alignement et tout. Pour être sûr que ce soit aligné gauche-droite bien comme il faut et symétrique. Du coup, ce sera à nouveau parallèle et symétrique. Je pense que ça l'a jamais trop été avant, avec des gaps autour du coffre qui sont constants. Donc, voilà le gros du travail ces derniers temps. Et là, j'ai toute la colonne de direction qui est démontée. J'ai complètement démonté pour en refaire. Et en fait, avec le... Donc ça c'est le coupleur dont je parlais, qui venait en 2 pièces à la base. Donc je mettrai les photos dans la vidéo. Je l'ai coupé en 2 pour en fait le ressouder, couper ici sur chaque pièce, pour ensuite le ressouder ensemble et du coup le raccourcir. Donc comme ça en fait, parce que la voiture avait un boîtier de direction avec une direction assistée de base, moi j'en voulais pas. Que d'une c'est trop démultiplié, et de deux c'était pas super précis, donc je suis passé à un boîtier de direction sans assistance. Du coup en fait le diamètre à l'intérieur ici, ainsi que le nombre de cannelures, les splines, est différent entre les deux boîtiers, donc c'est pour ça qu'il fallait un adaptateur. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris cette partie là, j'ai pris la partie haute, qui allait avec ma colonne de direction, et qui avait... ça en dessous, donc avec des cannelures plus petites. On peut voir la différence de diamètre et de nombre de cannelures. Donc j'ai coupé ça, j'en avais plus besoin. Et sur l'autre, l'adaptateur, donc il y avait ça. Et du coup ça allait là-dedans. Le problème c'est que quand on mettait les deux ensemble, ça me faisait un truc qui était genre haut comme ça. Et c'était trop haut, et du coup cette partie-là,
venait toucher les collecteurs. Donc j'ai coupé les deux. J'ai percé dans celui-là en conique parce que du coup l'autre pièce là avait toujours un peu le début de l'ergot de l'axe central qui dépassait. Et du coup on peut voir au milieu. Donc du coup j'ai percé pour que l'ergot rentre dans l'autre trou et que du coup les deux plans de joint s'alignent nickel et que je puisse faire une soudure. J'ai fait trois passes au total autour pour bien arriver à souder en profondeur. Donc voilà, maintenant je vais finir de remonter ça. Faudra un coup de main pour remonter la colonne dans la voiture. Mais du coup j'ai rallongé la colonne de direction aussi. Voilà. J'ai coupé vers le milieu. Je l'ai coupé au milieu et en fait j'ai manchonné avec deux bouts de tube. Un tube qui est à l'intérieur qui fait le diamètre interne de celui-là et un deuxième autre tube qui faisait le même diamètre externe. Donc du coup en fait j'ai soudé le morceau de tube sur le extérieur sur le tube qui est à l'intérieur et après j'ai percé des trous là et là de chaque côté sur la colonne de direction d'origine et du coup j'ai pu souder tout ça à travers et après j'ai fait deux cordons tout autour. Comme ça bougera pas. En fait le problème c'était que la colonne de direction n'était pas assez longue pour aller avec la nouvelle position de ce boîtier ici, voilà comme ça, et du coup elle était pas assez longue et parce que aussi elle avait été rétractée. On voit ici en fait c'est une zone où ça peut se renfoncer dans la colonne. Donc normalement d'origine il y a des pins en plastique là dedans qui pètent en cas de crash. Moi les pins perso je m'en fous hein, mine de rien. Les harnais que je vais avoir dans la voiture, moi je vais pas forcément faire voler en avant dans la bagnole en cas de crash, et plus l'arceau qui va dans la baie moteur, le boîtier de direction normalement ne devrait pas me remonter dans la gueule. Donc le fait d'avoir une colonne qui puisse se rétracter, c'est bien, c'est pas non plus ultra indispensable pour moi, mais bon, ça me fait une sécurité de plus. J'ai pas besoin qu'elle se rétracte de 30 cm. J'ai envie de dire, si la voiture se rétracte de 30 cm à l'avant, j'aurais des problèmes beaucoup plus gros qu'une colonne. Quoi. Donc voilà, il me reste à remonter ça dans le reste de la colonne là-bas, et puis remettre ça dans la voiture et attaquer les planchers conducteurs et passagers. Voilà.